Le PSG qui s'impose 2 buts à 0 face à Dortmund. C'était une domination du PSG quasiment à sens unique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Dortmund. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, on a vu une équipe du PSG qui a rapidement pris le jeu à son compte. La preuve en est qu'en première période, le PSG a largement dominé. On était à une possession de 78% de possession, avec environ 11 tirs, les amis. 11 tirs. Une maîtrise totale de la part du PSG. Un pressing très haut, un contre-pressing. Bref, il y avait tout sauf de la finition. En deuxième période, Luis Enrique a demandé à ses joueurs d'apporter un peu plus de rapidité dans le jeu. Il n'y a rien à dire. Un PSG archi dominateur. Ils ont vraiment dominé les débats. Dortmund n'a pas existé. Dortmund n'a vraiment pas existé. Franchement, on voit déjà quelque chose que Luis Enrique veut mettre en place, des choses intéressantes. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.